Nouvelle vidéo de gameplay. Voilà, cette fois-ci donc c'est avec la hague. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai toujours mes comment on appelle ça, les dailies, hein, que je dois réaliser pour faire quelques points. Et voilà, je sors d'une game avec le Wraith, j'enchaîne avec avec la hague et regardez où je me trouve. Badman Preschool encore, enfin Badam Preschool d'ailleurs. Et c'est atroce, mais bon. On va survivre, hein. On va survivre et on va s'amuser, les gars. Ok. Salut. Ok. Ok. Ah, oh, tiens. Voilà. Alors. Lag, c'est très simple, je les précise parce que j'adorais le skin. Alors qu'est-ce que j'entends par prestige? C'est le sang, hein, sur son corps un peu partout. Je trouve ça joli. Je me suis dit why not? Why the fuck not? Mais en fin de compte, le gameplay est plutôt je trouve pas très intéressant, plutôt pauvre. Mais malgré le fait qu'ils l'ont update un peu, hein, son gameplay, hein, c'est vraiment un peu plus chouette. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est... Il y avait quelqu'un ici, je rêve? Non, il y avait personne? Ok, le principe c'est simple, elle pose des pièges... Si, il y avait quelqu'un, voilà, je suis pas aveugle non plus. Enfin, c'est un petit peu, mais... Ok, donc le principe c'est simple, tu poses des pièges... Non, fais pas, tu vas payer toi. Tu poses des pièges et si leurs survivants tombent dessus, ça fait ça crée une image de la hague. Image qu'elle peut sur laquelle elle peut se téléporter. Donc c'est une sorte de tueur un peu stratégique. Ouais, chier. Tueur un peu stratégique et voilà, qui couvre une bonne partie de la map. Je vais prendre des palettes all day, every day, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ce genre de joueur. Ok, ok. Ah, alors, prends pas la palette. Ok, c'est cool. Bon, bah voilà. Donc on est deux. Je vais aller là-bas. Donc cette fois-ci, j'ai l'event. Hein. Cette fois-ci, j'ai mis les pétales. Et puis je sais pas quoi là. Et alors. J'ai mis les pétales. Donc on va faire du point. Garanti, on va faire du point. Je crois que j'ai vu un corbeau ou pas là. Voilà, on va remettre un piège ici. J'ai vu un corbeau et quelqu'un qui va le sauver incessamment sous peu. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Les marques. Save? Non, elle est de l'autre côté. Enfin, il ou elle, je sais pas. Salut. Mettre le zéro, enculé, il campe et tout. Non, c'est pas le cas. Je campe pas. J'ai juste vu tes marques quelque part. Du coup, bah non, je vais pas lâcher l'affaire. Ouais, ouais. Là, ils sont sans doute là. Ouais, c'est le campeur, ouais. Voilà. Il y avait quelqu'un, j'en suis sûr. Donc, oh, c'est pas grave, on va se mettre bien. Salut. Ah. Voilà. Oh, j'ai un credo, on tunnel pas. Hein. Tunnel pas parce que déjà bah, ça sert à rien. Et ensuite parce qu'on fait plus de points sans tunnel. Je tunnel pas, puis l'instant d'après je suis sur Dwight. Quoi. Hop, salut Dwight. Ok, j'ai vu le corbeau là, donc ça veut dire qu'il continue dans ce sens là. Là, je vais pas perdre de vue. Ouais, ça va être un relou, il va me faire tous les loops de la map. C'est pas grave. Voilà, Dead Art qui... Il a cramé trop tôt son patard. Vous voyez, je peux l'attraper juste après. Bien, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a la Rep Cave qui est ici. Moi j'ai envie de faire du point, je suis un greedy bastard. Voilà, il y a les fameux hooks. Donc spéciaux sur lesquels je dois...
Hop. Donc voilà, je rebalise un petit peu le terrain. Suicide. Très bien. Il avait sans doute marre de la game, ça se comprend. Donc voilà, on pose des pièges au calme. On se met bien en fait. Là il y a un risque en fait qu'il y a quelqu'un qui saute un risque. Qui saute ou quelqu'un qui vienne ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit piège ici. En fait, si ça arrive, je serai sur place. Toujours pas été heal. Si voilà. Hop. Là j'ai entendu quelqu'un. Voilà, c'est Meg. L'une des Megs. Allez. Ils sont pas super bons. Franchement, ils sont pas super bons, mais c'est. Bon. Trop loin. Hop, elle drop la palette, un classique. Là si tout va bien, elle monte là-haut. Ah mince alors. Ok. Salut. Wouh! On va dire putain mais quel nul. Bon on n'a pas le temps pour s'amuser hein, je vois. Je dis bon allez non, désolé Meg, mais là on veut vraiment finir la game parce que c'est assez atroce. Je suis pas particulièrement fan de ce gameplay mais ma foi ça a son... c'est un peu son intérêt hein. Hop la palette, on lui dit au revoir. Saki, zoom. Ok là j'ai un peu abusé là sur les trappes, il y en a beaucoup. Voilà, je vois des traces. C'est la Fengming, je l'ai pas eu encore, salut beauté. C'est Nier ou Fengming d'ailleurs, c'est Nier ça hein. Dirty Nier. Ok donc là, logiquement, s'il est malin, il drop pas la palette. Il est malin. Il est malin et là il va me faire faire des tours en gros. Et... Ah mince, j'ai cru. J'ai persuadé qu'elle était encore, encore un peu vivace. Est-ce qu'il me reste des houches sur lesquelles poser les gens? Oui, il est peut-être un peu loin celui-là. Donc je vais le poser là. Je vois qu'on est... Hein? Ok, super. Comme vous pouvez voir, hein, je suis particulièrement bon à jeu. Elle était dans le coin, je rêve pas. Hein. Voilà. Ah ouais, mais non. Ouais. Bon, pareil, comme toutes les... Comme toutes les games, je vais pas les tuer. Ah bah si, je vais être obligé de les tuer parce qu'en fait ils ont fait aucun gène. Ils ont fait aucun gène et la trappe malheureusement apparaît qu'à partir d'un certain nombre de gènes. Tu fais toi. Ok, il veut m'éblouir. Ok, vas-y. Non. Alors, papy. Donc ouais, je disais ça. Me baby. La hatch apparaît à partir d'un certain nombre de gènes slash un certain nombre de survivants what? Ok ouais donc en gros il y a une façon de compter les choses et en l'occurrence on va avoir fait minimum 2 gènes. Voilà, une fois que minimum 2 gènes sont faits, pas de soucis, l'arche spawn en fait, mais elle s'ouvre pas. Elle s'ouvre seulement quand il y a le dernier survivant de... Tiens. Dernier survivant qui est tout seul en fin de compte. C'est le... une mécanique de jeu qui permet de... Faire en sorte que tout le monde s'amuse. Il a été vite lui. Hein. Je l'avais tombé dans le coin je crois. Voilà. Voilà, c'est toi que je veux. Bah, il est pas mal, il est pas mauvais. Hein. Franchement, il m'a brain direct. Il est parti en courant super vite. Ah,
Là sur la droite il y a un de mes pièges. Salut. Ok. Ah d'accord. Ah bah super niveau. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non mais pourquoi tu fais ça enfin? Est-ce qu'il y a moyen que j'aille choper? Oui peut-être celui-là là-bas. Mais tant pis, je les attraperai les 4. Ça rend mon attention mais je vais pas attendre qu'elle fasse qu'elle fasse deux générateurs. Je vais lui donner la hache. Alors, elle était dans le coin, la voici. Salut bébé. Ah. Elle le sait aussi. Ok, bon, fin de la game. Ah c'est un peu triste. Je vais trop finir comme ça. Voilà, j'ai atteint mes objectifs. Non, la fiole, c'est rempli. Un coup sur le gène, voilà, c'était la game play by play de la hague. C'est très intéressant. Voilà, voilà. Dans le GG comme d'habitude, ça fait plaisir généralement. Au début j'étais un petit peu réticent genre de truc. Dire GG quand c'est pas une bonne game, tu vois, c'est un peu prétentieux. On verra comment ils réagissent. Voilà, quête terminée. Wouh ! La prochaine va être un peu plus fun hein, je pense. Hein. La prochaine c'est le trappeur, GG. Et 54 000. On se met bien. On se met bien. Pas de GG. Bien, très bien.